Salut tout le monde, c'est Frozik et on se retrouve sur mon ordinateur pour mon premier tuto. Car oui, ça y est, j'ai eu un petit projet. Salut tout le monde, c'est God Gamer Studio. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour un tutoriel cinéma 4D. Donc, étant donné que j'ai pas de gameplay à vous proposer et j'ai pas très envie. Et salut tout le monde, c'est ES Graph et on se retrouve pour un tutoriel en fait, c'est mon premier. Donc je vais vous montrer comment faire un background. Et après, je vous montrerai. Bienvenue à tous, c'est Birat 17. Alors, je vais vous présenter un tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre à faire des animations pour un test. Salut tout le monde, c'est ES Graph et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de template Cinema 4D. Donc voilà, en fait, les liens des templates sortiront à chaque fois que j'obtiendrai 100 ou 50 abonnés, je sais pas encore, je verrai. Donc voilà, aussi. Vous êtes prêts? Hop hop hop, vous mettez votre souris sur le lire et dès que vous appuyez sur lire, vous faites tac, ça fait tac. Salut tout le monde, ici Frozik en direct de Frozik Channel pour un nouveau live commentary sur Call of Duty Black Ops. Et hop hop hop, et hop hop hop, et hop. Regardez, vous choisissez la couleur ici, vous êtes en gris, voilà, parce que c'est gris, vous cliquez là, donc outil dégradé, vous prenez le pot de peinture, et sur le trait qui est bleu, merde, voilà. Ça c'est une chose. Quand on fait une vidéo, alors c'est toujours important de prendre un réglage qui passe sur un réglage HD pour une meilleure qualité. Je vous conseille HDTV 720 29 97. Ici, images, toutes les images.